Le mettre à bord. Pas d'instrument. Et quoi, les matelots? Vous avez tous la frousse. Eh oui, je le sais bien, il est vieux mon trois-mâts. Mais il me faut 15 hommes, un capitaine, un mousse, qui le ramèneront vers le Guatemala. Alors pendant 8 jours, il cherche un équipage, contraint de le former de marins d'occasion. Vagabond sans aveu, dont certains tatouages affichent l'anarchie et la révolution. Mais lui, le malabar, lui qui n'a peur de rien, au moment du départ, leur dit, je vous préviens, je suis le maître à bord, je suis le maître. Bien des costauds, des forts ont dû le reconnaître. Je vous promets, moi, commandant, double ration, bon vin, bonne route. Je serai juste et indulgent, mais il faudra que l'on m'écoute. Et maintenant, le cap au nord, je suis le maître à bord. Pendant 40 jours, le navire est en route, les vents sont contre lui, le mauvais temps aussi. Mais bientôt plus de vivres et plus d'eau dans les soutes. On sent que la révolte est à bord et grandit. S'avançant dans la nuit, 4 hommes fous de rage vont l'insulte à la bouche, le couteau à la main. Parler au capitaine, au nom de l'équipage, il faut que tu nous donnes du biscuit et du vin. Mais lui, le malabar, leur dit, voyez là-bas, voyez briller ce phare, c'est le Guatemala. Je suis le maître à bord, ce soir, demain, j'espère, nous toucherons au port, vous serez libre à terre. Oui, mais ici, mais le sabord, je n'admets pas la moindre riposte. Je materai tous les plus forts, que chacun regagne son poste. Sur vous, j'ai droit de vie, de mort. Je suis le maître à bord. Mais là où le sévit, ballotté par la brise sévit, battue par la houle, le trois-mâts va fringant sous la force du vent. De tribord en bâbord, il va, il vient, il roule. Qu'on me donne la barre, a dit le commandant. Bientôt c'est l'ouragan, on ne voit plus le phare. Les voiles se déchirent et les flots furieux emportent un marin. Alors le malabar, sans le trois-mâts craquer, écrit « Sauve qui peut ». Les canots à la mer, que Dieu veille sur vous. Tous les matelots disent « Venez avec nous ». Non, je suis le maître à bord. Je dois le reconnaître, mes droits me rendent fort, me font parler en maître. Mais le devoir commande encore, demeure au pied du mât de misaine. Tu ne dois pas quitter ton bord, c'est le devoir du capitaine. Et maintenant, face à la mort, je suis le maître à bord. Ouh, je finis par une fausse note. Hey!